alors qu'il se mobilise, notamment sur les réseaux sociaux, afin de récolter des dons pour le SIDAction, association luttant contre le VIH, SIDA, Christophe Beaugrand a été la cible d'attaques virulentes à caractère homophobe. Sur Twitter, l'animateur de TF1 a tenu à partager l'un des messages d'insultes reçus. Pauvre mec, tu n'es qu'une merde et un PD de putain d'homo, les homos elles iront en enfer avec le diable, et oui, sick, peut-on lire. Voilà ce que je reçois en réponse à mes appels au don du @SIDAction, voilà voilà. Il faut que les gens sachent, précise-t-il. Largement soutenu sur le site de microblogging, Christophe Beaugrand, qui file le parfait amour avec son chéri Guilin, souhaite que les gens prennent conscience que l'homophobie crasse violente pernicieuse existe toujours. Ainsi, il le montre, noir sur blanc, dans un but précis, que la honte change de camp, qu'on ne nous dise pas qu'on se victimise pour rien, explique-t-il. Fatigué par les attaques sur sa oualité, celui qui a succédé à Benjamin Castaldi aux commandes de Secret Story, TF1 et NT1, aimerait que les autres comprennent et se scandalisent. Qu'ils aient conscience de ce qui se passe, et qu'ils sachent que subi par les homos n'est pas le fruit d'une quelconque imagination, mais est bien réel.